Yeah! Ça va chauffer ce soir. Je vous propose tout de suite de découvrir qui était vraiment Jeanne d'Arc. Qui était vraiment Jeanne d'Arc? Yuyu Mutumosi, ma sœur très très intelligente. Qui était vraiment Jeanne d'Arc? Maman Oyo Babengi Jeanne d'Arc. Ezali maman combattante Otobengi et Blandine et Diafoutoua. Qui était vraiment Jeanne d'Arc? Voici l'homme, le père de la nation congolaise, autrement dit, le papa de tous les Congolais. Nous sommes tous là pas tous allés na papaté. Tous allés na papaté na Congo. Certains l'appellent Joseph Kabila, d'autres Hippolyte Kanembe. Le week-end du 6 décembre 2013, à Paris, il a été l'homme le plus recherché par les combattants résistants congolais. Ah, un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Où t'es papa, où t'es? Un papa de la nation, invisible et introuvable. Là personnellement, ce qui t'a au monde a été. Là personnellement, ce qui t'a au monde a été. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Et le 21 mai 2014, pour trouver, à Paris, le fameux papa, il a fallu une stratégie hors norme et une discrétion féminine à la congolaise. Le papa aurait été agressé physiquement à la sortie du palais de l'Élysée par une femme combattante que voici. Ezali maman combattante Otobengi et Blandine et Diafoutoua. Sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Maman Oyo Babengi Jeanne d'Arc. Mais ce jour-là, moi en me réveillant, le matin déjà il pleuvait très très fort. J'ai prié mon Dieu. Maman Oyo Babengi Jeanne d'Arc. Donc j'ai profité de la présence des touristes pour me faufiler entre les policiers et les touristes. Et c'est ce moment-là que j'ai rejoint le véhicule de qui abritait M. Kabila. Cela lui aura suffi pour devenir une véritable icône, une héroïne nationale. Maman Oyo Babengi Jeanne d'Arc, Oya Bambaki Liki, na Oya Bambaki Hippolyte Kanembe Kabila, Maki Mukolo, Ayaki Awa. Maman Oyo Babengi Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, congolaise, c'est peut-être vite dit, car dans l'histoire française, il n'y a eu qu'une et une seule Jeanne d'Arc. Je vous propose tout de suite de découvrir qui était vraiment Jeanne d'Arc. Impossible d'avoir deux Jeanne d'Arc congolaises. Pour les départager, il est formellement recommandé d'analyser les actions patriotiques de chacune. Aux premières observations, toutes les deux sont capables de se tenir debout et en équilibre sur un camion roulant à 20 km à l'heure, un exploit patriotique. Yeah! Ça va chauffer ce soir. Pour être une véritable Jeanne d'Arc congolaise, la garde à vue et la prison sont un passage obligé dans le palmarès patriotique. Dis-toi ma chérie, maman Congo. Ponga mobe maman Blandine na vandi anga pe bakanga ngai na kenda pe garde à vue. Yeah! Ça va chauffer ce soir. Alors nous disons non, non à la francophonie. Nous sommes contre la francophonie. Il n'y aura pas de 14e sommet au Congo. Il n'y aura pas cette francophonie. Yeah! Ça va chauffer ce soir. La photo est politique quand même. Regardez la puissance de la nous prendre l'ambassade. C'est pas l'ambassade, c'est notre maison, c'est notre terre. Yeah! Ça va chauffer ce soir. Ça va chauffer ce soir. La République démocratique du Congo est une dictature. C'est que le Congo n'est
va chauffer ce soir. Et le jour de l'inauguration de la présidence de Tshisekedi, Tshisekedi sera là. Tshisekedi, président. Tshisekedi, président. Tshisekedi, président. Tshisekedi, président. Ça va chauffer ce soir. La République démocratique du Congo a lieu un génocide de plus de 8 millions de morts. Tous les jours pour tous les morts, les 8 millions de morts qui meurent au Congo. Ça va chauffer ce soir. Par souci d'impartialité, il a été demandé au président de tous les combattants de France, Sally Martin, de désigner la Jeanne d'Arc congolaise, un choix pas facile à faire. Maman Oyo Babengi Jeanne d'Arc, et Sally maman combattante Oto Bengi, Blandine et Diafoutoua. Yuyu Mutumosi, les chiens à bois, la caravane passe. Osa combattante, ya solo. Mutu ezo sala, ya yango. Il a aussi été, logiquement demandé, aux combattants maîtres à Longo, le juriste, de valider ou invalider ce titre patriotique de Jeanne d'Arc. Le dossier est en cours de traitement.